Bon ben merci d'avoir cliqué sur cette vidéo qui est un petit peu différente de d'habitude. Vous allez m'accompagner dans une journée tout à fait normale de ma vie. Bon, dit comme ça, ça donne pas super envie, mais détrompez-vous, j'ai plusieurs objectifs pour cette journée. J'espère que cette vidéo va vous plaire, voyez ça comme une petite vidéo intermédiaire. Moi ça me permet un peu de tester et expérimenter des nouveaux formats. Ça met du temps de vlogger sa vie en fait. Bon, j'ai oublié de vous le préciser, mais je suis en off aujourd'hui normalement. C'est pas une journée de travail normale. Non, je précise parce que sinon vous allez croire que je suis un gros glandeur. Du coup, tous les matins en ce moment, j'essaie de travailler sur un petit design d'animal. Et je pense qu'on va travailler sur un éléphant aujourd'hui. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc assez stylisé avec les défenses, les oreilles et la trompe évidemment. Mon objectif avec ces petites créations quotidiennes, c'est surtout améliorer mes skills en design et apprendre à mieux synthétiser les formes et ce que je vois. Je me suis dit que les animaux, c'était un thème suffisamment large pour me permettre de faire plein de designs différents sans trop me prendre la tête sur la sélection. Parce que bon, faut pas non plus que ça me prenne toute la journée. J'essaie de pas dépasser une heure de taf entre le croquis et la vectorisation sur Illustrator. On essaie de s'organiser comme on peut. Le truc, c'est que j'ai fait énormément de lettering et de dessins d'observation ces dernières années, mais j'ai réalisé que je faisais assez peu d'illustrations minimalistes. Bon, appelez ça comme vous voulez. Alors que j'adore ça. Et c'est pas si évident que ça d'observer quelque chose et de le décomposer en forme simple, tout en gardant un aspect design et graphique. Alors voilà, je me suis lancé dans un petit run de quelques mois pour voir comment ça va m'aider à améliorer cette partie de mes compétences, et on verra bien ce que ça donne à la fin. Et juste pour terminer, je précise qu'on n'est pas obligé de tous les jours faire un truc stylé. Parfois, c'est pas forcément super réussi, mais c'est pas grave. Ici, je vous ai montré ce que j'avais déjà fait, mais en vrai, je partage très peu ce genre de daily design. Je fais vraiment ça juste pour moi et pour que ça puisse m'aider dans les projets que je partage en vidéo. Bon, le logo, c'est terminé. Ça m'a évidemment mis 10 fois plus de temps que d'habitude parce que tout filmer, ça ralentit le process, mais voilà déjà une bonne chose de faite. Veuillez nous excuser, le numéro de votre commande n'a pas été retrouvé dans notre base de données. C'est normal, je ne l'ai pas écrit. Bonjour, j'ai passé une commande la semaine passée pour un passe-partout. Je voulais savoir s'il était disponible aujourd'hui. Il est là, vous pouvez venir. Top, pas super. De problème. Merci beaucoup, c'est voilà. Gentil. Ok, bon du coup, je vais pouvoir aller récupérer mon passe-partout qui est prêt. En gros, je vous montre. J'ai posé dans un cadre mon jeu de cartes non découpé, mais c'est pas du tout fait pour. Donc, on a des petits bords là qui sont un peu dégueulasses. Et donc, j'ai fait faire sur mesure un passe-partout par le magasin Schleiper. Et en plus, ça va être beaucoup plus clean parce qu'il y aura un biseau. Donc, ça va vraiment mettre en valeur le poster. J'ai fait une pure affaire. En gros, ils n'avaient pas de sac à la taille de mon passe-partout et j'avais rien pour le protéger. Et donc, l'employé est parti me chercher deux passe-partout que des clients n'avaient pas pris. Mon passe-partout est entouré par deux autres passe-partout pour les protéger, mais des passe-partout qui sont encore en état d'usage. Donc en fait, j'en ai reçu deux gratuitement. Quoi. Oh non, mais il est trop grand en fait. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai trop la haine. Le passe-partout que j'ai fait faire est trop grand pour mon cadre. J'ai vraiment la flemme de le refaire faire. Donc à mon avis, je vais le découper moi-même. En espérant que je ne le casse pas. Parce que je suis très mauvais en découpe, il faut le savoir. J'ai toujours été nul. On me demande de couper sur une ligne droite, je ne sais pas le faire. Donc ça va être un gros challenge. Et en plus, ça va être beaucoup plus clean parce qu'il y aura un biseau. Donc ça va vraiment mettre en valeur le poster. Ça fout trop le seum. Bon, ça y est, le passe-partout est posé. Je suis hyper content du résultat.
Pas du tout, ne faites surtout pas comme moi, c'était un enfer à couper. Je comprends mieux maintenant pourquoi il y a des biseaux en fait, parce que c'est beaucoup plus joli. Là, c'est pas un super beau rendu. Donc allez chez un professionnel, ne le faites pas vous-même. J'ai voulu tester, c'était une mauvaise idée. Ça va rester un peu temporairement comme ça, mais je vais essayer de changer ça au plus vite parce que honnêtement, c'est dégueulasse. En fait, il existe tout simplement des cutters à 45 degrés qui permettent du coup de couper en biseau. Mais il fallait évidemment que je découvre ça par après, quand il n'était plus possible de rattraper ce carnage. Ça, c'est mon bureau. Ça fait maintenant presque 2 ans que je suis installé ici et j'ai jamais terminé l'assemblage complet. En gros, la planche qui est là n'a jamais été attachée à l'armoire qui est sur roulette. Ce qui veut dire que dès que j'ai un tournage et que je bouge mon bureau, je manque à chaque fois de faire tomber la planche et donc tout le matériel qu'il y a sur le bureau. J'ai jamais été quelqu'un de très manuel ou doué en bricolage. Merde! Même monter un meuble IKEA peut s'avérer être un enfer. Mais par contre, le bricolage m'attire de plus en plus ces derniers temps. Je peux vraiment passer des heures à regarder des vidéos de gens qui créent des trucs stylés, des objets design, des meubles, des lampes, tout ça. Je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper satisfaisant à créer des objets avec ses propres mains. Vous voyez très certainement ce que je veux dire. Et c'est cette sensation de gratification qu'on ressent quand on tient un objet qu'on a fabriqué de toutes pièces qui me pousse de plus en plus à vouloir m'y mettre. Vous savez, ce sentiment de dire « c'est moi qui l'ai fait ». Et puis je trouve aussi que ça peut être tellement pratique de savoir bien bricoler, d'être capable de réparer des trucs chez soi sans avoir à faire appel à quelqu'un. Je trouve ça trop cool. D'ailleurs, le panneau de bricolage que je viens de poser sur ce mur est la preuve vivante de mon envie d'apprendre à fabriquer des choses. Et donc, ça m'amène à cette réflexion. J'aimerais vraiment tester de nouvelles choses sur la chaîne, designer des objets, apprendre à utiliser de la résine. Et je me dis que ça pourrait être trop cool de se lancer dans la création d'une lampe, par exemple. Bon, si vous êtes encore là à regarder cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je serais super curieux de connaître vos avis. Et d'ailleurs, l'assemblage de ce bureau était aussi une première étape vers l'apprentissage du bricolage et le design d'objets. Enfin bon, même si là c'est pas du design d'objets, vous avez compris. Tiens, hyper bien! Honnêtement, je suis trop content, on dirait vraiment un bête truc, mais ça va vraiment me changer la vie pour mes tournages. Pourquoi est-ce que j'ai attendu 1 an et demi pour faire ça? Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, attendez, il y a une voiture qui passe là. En tout cas, moi je me suis bien amusé et ça me fait du bien en fait de vous proposer une vidéo dans laquelle je me mets un peu moins de pression. Et pour ceux qui seraient restés vraiment jusqu'au bout, sachez que la prochaine vidéo sera tout simplement l'épisode numéro 2 de ma série dans laquelle je propose un nouveau branding pour un commerçant local. Voilà, merci à tous et à bientôt. Ciao.